Le numéro de Beyoncé. Celle-là, tu vois, une fois, deux fois, on va jamais te répondre. Qui va continuer encore? Donc, moi-même, là, je me suis fini. Anniversaire, 14 juin. Ton gars, je suis en contact avec son gars du corps. Officiel. Vous voyez que Eudoxie, c'est une grande star parce que là, elle. Eudoxie, quel est le. Dans ton répertoire, quel est, je veux dire. La star, la plus grosse star dont tu as mis, avec qui tu causes souvent, dont tu as le numéro. Dans ton répertoire? Dans mon répertoire, je ne garde pas les contacts des gens. Surtout les personnes publiques, les stars. Là. Même si par exemple, j'ai le numéro, je donne un exemple, le numéro de Beyoncé. C'est là, parce que tu vois, une fois, deux fois, ils vont jamais te répondre. Qui va continuer encore? Donc, moi-même, là, je me suffis, je n'écris à personne. Ah, pourquoi tu dis? C'est pas ça, hein? Non. C'est comme ça, hein? Laurie, là, c'est pas pour toi. Laurie, en fait, c'est le concept de TikTok. On met, tu vois, je peux mettre. Tu peux mettre des rigolades. Toi, c'est ça quand tu parles. Non, ça me fait bizarre, c'est tout. Ok, je mets plus les rimes, mais je vais mettre plutôt des. Depuis 2014 jusqu'en 2023, ça fait à peu près, on va dire, ça fait 9 ans. Non, j'ai été connu en 2014, mais c'est en 2015 ma célébrité a commencé. En 2014, c'était pas pour avoir la star. Donc, on va dire, ça fait 8 ans. Pour moi, c'est 2015. Donc, ça fait 8 ans que tu es célèbre, tu es sur l'échec du showbiz. En ces 8 ans-là, quel est ton plus grand souvenir? Quelle fête t'a marqué? Ça peut être lors d'une tournée, lors d'une rencontre. Qu'est-ce qui t'a marqué en 8 ans de présence? Ce qui m'a marqué, c'est que c'est vrai que moi j'ai été célèbre après 2015, mais les commentaires étaient très négatifs. Donc moi dans ma tête, je me disais que les gens me détestaient. Tu comprends? Je disais que les gens me détestaient. Mais au fur et à mesure qu'on a commencé à m'inviter, commencé à sortir hors du pays, même dans mon propre pays, quand je sors, je suis accostée par plusieurs personnes. Les gens même me demandent même des autographes. Donc, j'ai compris que la vie sur les réseaux sociaux, la vie réelle, elle est différente. Sur les réseaux sociaux, les gens font comme s'ils te détestent, mais dans la vraie vie, ils te montrent beaucoup d'amour. C'est ce qui m'a marqué. Tout au long de ma célébrité, c'est ce qui m'a marqué. C'est ce qui fait que je ne considère plus les mauvais commentaires. Plus même on parle mal de toi, plus ta célébrité encore perdue, s'augmente. Depuis 2015, je suis toujours là. C'est pour me aussi fatiguer des réseaux sociaux, je me fais rare parce qu'ils sont en train de faire mes affaires, tout ça. Mais il y a des gens, on a parlé d'eux, j'étais célèbre un jour, après on n'a plus parlé d'eux. Mais pour moi, là, je maintiens jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Donc, tout ce que je peux dire, c'est merci. Hein. Ils n'ont qu'à me détester un peu. Quand ils me détestent encore, Dieu met les bim dans ma vie. C'est ce que j'allais dire, Edo. On va dire, tu as abordé la prochaine question. On ne te voit pas trop sur les réseaux sociaux comme ça. C'est-à-dire, tu te fais rare. Qu'est-ce qui explique cela, en fait? C'était ça ma prochaine question. Mais je pense que tu as un peu abordé ça. Voilà. L'attestation villageoise. Je vais commencer aussi la construction, mais la personne ne veut pas me montrer maintenant le terrain pour qu'on fasse le CD. Hormis cela aussi, il y a ma gamme de cosmétiques qui doit sortir. Il y a beaucoup de choses, je suis en train de peaufiner, donc ça fait que je n'ai même pas le temps pour moi-même. Tout le monde, mon médecin m'a demandé de beaucoup me reposer. Donc, c'est ça, je me cherche. Mais je ne peux pas quitter les réseaux sociaux parce qu'il y a l'argent sur les réseaux sociaux. Le fait d'être toujours d'actualité, d'être toujours présente, ça t'ouvre des portes, des contrats, beaucoup de choses, de collaboration. Donc, je ne peux pas quitter
totalement, mais aussi je fais mes affaires. On rappelle que Eudoxie. Mais je vais revenir en force, il ne faut pas avoir t'inquiéter. Je vais venir en force. On rappelle que Eudoxie est businesswoman et on espère, on prie Dieu que la personne qui t'a offert le terrain ou bien qui t'a offert le terrain puisse te donner tous les papiers, tous les documents afin que tu puisses construire en fait ce que tu as envie de faire. Alors Edo, on part avec le jeu. On a un jeu dans cette émission, c'est le jeu du totem. Alors quand on a nos célébrités, on essaie de les faire manger leur totem. Et le totem d'Eudoxie, c'est l'oignon. Elle n'aime pas l'oignon cru. Donc, Eudoxie, est-ce que tu as ramené de l'oignon cru ce soir? Je n'aime pas du moyen, oui. Ça ne peut pas exister. Edo. Je n'aime pas bien, ouais. Écoute-moi. It is not possible. Écoute-moi, Edo, je ne fais pas... It is not possible. Ne fais pas de discrimination dans cette émission. Tous ceux qui sont passés, que ce soit Soumbil, les patrons, tous ceux que j'ai reçus, je ne sais même plus combien d'artistes j'ai reçu ici, là. Eux tous sont passés par là. Et donc, ce n'est pas parce que tu es ma petite soeur, tu es ma soeurette, je t'aime bien, que tu vas me faire esquiver ce jeu-là. C'est une rubrique qui existe. Non, pas ça. Pour moi, ma vie, je vais sentir. Bon, Edo, si tu n'as pas ramené l'oignon, je serai obligé de te faire faire un mélange de ouf. Est-ce que tu as du vinaigre chez toi? Je n'ai pas. Bon, qu'est-ce que tu as dans ton frigo? Oh, il y a un peu de dégâts. Il y a du jus. Il y a de l'eau. C'est trop facile. Tu as quand même des œufs. Non. Tu as du piment. Je ne mange pas de piment, hein. Bon, Edo, ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est simple. Non, ce qu'on va faire. Non. Ce qu'on va faire, Edo, c'est soit tu retires ta perruque en direct. Tu ne peux pas me dire, toi, là. Non, c'est. On ne va pas le faire. Attends, non. Mais attends, tu es pressé pourquoi? Hein? Mais tu es pressé pourquoi? Calme-toi. Edo. Mais tu es belle comme ça. Mon frère est trop large aussi. Hein? Non, tu es belle comme ça. Tu es belle comme ça. Mais Edo, tu as vite enlevé la perruque. Donc ça ne compte pas. Ça ne compte pas, on va refaire. C'est pas toi, c'est parce que j'ai enlevé. C'est parce que j'ai enlevé que tu as parlé. Moi, j'en vois moi ma tête comme ça. Mais tu as vite enlevé, Edo. On n'a pas eu le temps de faire les captures, Edo. Quelle capture? Edo. Mm-hmm. Tu sais quoi? Il y a plus de, je crois, 500 et quelques personnes qui sont en ligne. J'aimerais te dire que reste comme tu es. Sérieusement, hein, tu es une personne exceptionnelle dans la vraie vie. Ceux qui te critiquent ne te connaissent pas. Ceux qui te vilipendent ne te connaissent pas dans la vraie vie. Moi, je peux dire que je te connais dans la vraie vie. Tu es exceptionnel et tu es d'une humilité. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors que tu es la plus suivie, je dirais même, des stars de Côte d'Ivoire. Parce que tu es la plus suivie avec plus de 10 millions d'abonnés.